So could you please stand up? We're going to have a word of prayer. Venez vous tenir debout, s'il vous plaît. We're going to have a word of prayer. Nous allons prier before this time of preaching the word. Avant ce temps de prédication de la parole de Dieu. Father in heaven. Père céleste, I give you praise. Je veux te donner la louange. I give you honor. Je te donne l'honneur. At this moment, en ce moment, I need your spirit. J'ai besoin de ton esprit. I need your strength. J'ai besoin de ta force. To be able, pour être capable, to preach your word. De prêcher ta parole. Bless all the people. Bénis tout ton peuple qui écoute. May their life, que leur vie, be impacted, soit impactée by this word. Par cette parole. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. You can be seated. Vous pouvez vous asseoir. Today I'm going to preach. Aujourd'hui, je vais prêcher on the theme sur un thème. Be positive. Sois positif. Don't be negative. Ne sois pas négatif. If you follow, si vous suivez our post on Facebook, notre publication sur Facebook, I touch a little bit. J'ai touché un peu on this subject. Ce sujet on Thursday. Le jeudi dernier. It was the first days of destiny. C'était à l'occasion des jeudis de la destinée. But today, mais aujourd'hui, I want to expand. Je voudrais approfondir on this topic. Sur ce sujet. Because I think it is very important. Parce que je pense qu'il est très important. So please say with me. Donc je voudrais que vous disiez avec moi. Please say with me, be positive. S'il vous plaît, dites avec moi, sois positif. Don't be negative. Ne sois pas négatif. Let's get to the word of God. Donc nous allons prendre la parole de Dieu. Genesis. En Genèse. Chapter 45. Chapitre 45. Verse 5. Le verset 5. Are you ready? Est-ce que vous êtes prêts? Okay. So let me say it again. Genesis. Donc je voudrais le dire encore. Genèse. Chapter 45. Chapitre 45. Verse 5. Verset 5. So if you're ready, say amen, please. Donc si vous êtes prêts, dites amen, s'il vous plaît. And now, maintenant, do not be distressed. Ne vous affligez pas. And do not be angry for. I'm sorry. And do not be angry with yourselves. Et ne soyez pas fâchés. For selling me here. De m'avoir vendu. Because. Pour être conduit ici. It was God. C'est pour vous sauver la vie. It was God who brought me here. Que Dieu m'a envoyé. To save your life. Devant vous. Amen. Amen. This is Joseph. Il s'agit de Joseph talking. Qui parle. He was talking to his brothers. Et il parlait à ses frères. You know, vous savez, to understand how important is this portion of scripture. Pour comprendre l'importance de ce verset. You have to understand vous avez the life of de Joseph. Comprendre la vie de Joseph. Joseph was a young boy. Joseph était un jeune garçon. He was very loved by his father. Il était vraiment aimé de son père. And because of his love, et à cause de cet amour, his brothers, ses frères, were jealous, étaient jaloux, of him, de lui. Moreover, en plus de cela, one day, un jour, he dreamed, il a fait un songe. He dreamed that God, il a rêvé que Dieu, was putting him, le positionnait, in a very high place, à un niveau très élevé. Instead of keeping quiet, et plutôt que de se taire. You know, sometimes when you have dreams. Vous savez, quelquefois, quand on a des songes, when God reveals something to you, où Dieu vous révèle quelque chose, it's better to keep it to yourself, il est mieux de le garder pour and soi to pray. Et de prier. But Joseph didn't know that. Mais Jésus ne savait, Joseph, pardon, ne le savait he pas. Went to talk to his brothers, il est allé parler à ses frères and they decided et ils ont décidé to kill him. De le tuer. So they took him et ils l'ont pris and they put Joseph et ils ont mis Joseph in a well. Dans un puits. And then, et ensuite, one of them said, un d'entre eux a dit, don't kill him. Ne le tuez pas. Let us just sell him as slave. Vendons-le simplement comme esclave. So this young boy, et donc ce jeune garçon, he was sold to be a slave. A été vendu pour être esclave. He went to be a slave. Il est allé être esclave. In the house of a man named Potiphar. Dans la maison d'un homme appelé Potiphar. There, là-bas, the wife wanted to have sex with him. La femme voulait coucher avec lui. And he said no. Et il a dit non. So he was accused. Alors il a été accusé. And he was put in prison. Et il a été mis en prison. While Joseph was in prison,
Pourquoi est-ce que Joseph no, était en prison? While. Pendant que so Joseph while était Joseph prison, was in prison, pendant que Joseph était en prison, there were two officials. Il y avait deux officiers of Pharaoh de Pharaon in prison with him. En prison avec lui. They had a dream. Ils ont eu un songe. And Joseph gave the explanation. Et Joseph a donné l'explication. And the promise. Et ils ont promis. You know, if things get better for us. Vous savez quand les choses deviennent bien pour nous. No, the promise. Their promise. Ils ont promis. No, their promise. Leur promesse. So their promise is, if things get better for us. Leur promesse était que si les choses deviennent meilleures pour nous. Joseph. Will take you off your prison. On va te faire sortir de cette prison. But when they were freed from prison. Mais quand ils ont été libérés de la prison. They forgot Joseph. Ils ont oublié Joseph. So look at this man. Donc regardez cet homme. They tried to kill him. On a essayé de le tuer. Was sold as slave. Il a été vendu comme esclave. Accused wrongly. Accusé faussement. Left in prison. Abandonné en prison. And now after all this. Et maintenant après toutes ces choses. He meets. Il rencontre. The people. Les personnes. The person. Les personnes. Who are actually. Qui véritablement. Are responsible. Cause qui sont ces personnes responsables. For all this. De toute cette situation. Hello. No, after all these years, donc après toutes ces années, he meets il rencontre the very person les personnes mêmes that took him qui l'ont pris out of his father's love de l'amour de son père, l'ont arraché à l'amour de son and père sent him away, et l'ont mis dehors. Tried to kill him, ont essayé de le tuer, destroyed his life, ont détruit sa vie. Honestly, honnêtement, if it were you, si c'était vous, if it were you, si c'était vous. Particularly now, particulièrement maintenant, Joseph is not nobody. Joseph n'est pas n'importe qui. Amen. Amen. Joseph has become a very important man. Joseph est devenu un homme très important. In Egypt. En Égypte. He has all the means. Il a tous les moyens. To get revenge. Pour se venger. To kill his brothers. Pour tuer ses frères. To make them know. Pour leur faire savoir. Hein, comme on dit. En ivoirien, tu vas me sentir. I don't know how to say it in English. You will feel me. Tu vas me sentir. You will feel me. Tu vas me sentir. You know, I like you will feel me because there's one man of God, a very important man of God. J'aime tu vas me sentir parce qu'il y a un homme de Dieu très important. So he traveled to the U.S. Il est allé aux États-Unis. With one of his co-workers. Avec ses collaborateurs. So you know, he's a very important man of God. Et c'est un homme de Dieu très important. So when they were together in Nigeria, et pendant qu'ils étaient ensemble au Nigeria, his co-worker used to call him. Ses collaborateurs avaient l'habitude de l'appeler. Used to call him. Ce collaborateur en particulier, Bishop, l'appelait Bishop. Okay. Now they arrive in the U.S. Maintenant ils arrivent aux États-Unis. You know, in the U.S. they have a tendency to call everybody by his first name. Vous savez aux États-Unis tout le monde a tendance à appeler l'autre par son prénom. So the guy comes. Donc le gars arrive. And he said David. Et puis dit David. The guy David says was David Oyedepo. Donc il s'agissait de David Oyedepo. And so David Oyedepo told the guy. Et David Oyedepo a dit au gars. He said you. Il dit toi. We get back to Nigeria. On va revenir au Nigeria. You will feel me. Tu vas me sentir. Now. Maintenant, let's go back to our message. On va revenir à notre message. If it were you, si c'était vous, honestly, honnêtement, honestly, honnêtement, Joseph had all the rights in the world. Joseph avait tous les droits du monde. To be bitter. Pour être amer. To be full of hatred. Pour être rempli de haine. To be full of a spirit of revenge. Pour être plein d'un esprit de vengeance. But look what he said. Mais regardez ce qu'il dit. He said, "Do not be upset." Il dit, ne soyez pas affligé. Do not be sad. Ne soyez pas triste. Instead of trying to punish his brothers. Au lieu d'essayer de punir ses frères. He was the one. Il était celui-là. Trying to show mercy to them. Qui essayait de leur montrer de la miséricorde. Why? Pourquoi? Because Joseph. Parce que Joseph was a positive man. Était un homme positif. A very positive man. Un
un homme très positif. And this is the reason why. Et c'est la raison pour laquelle God used this man. Dieu a utilisé cet homme. And God bless him. Et Dieu l'a béni. Please say with me. S'il te plaît, dis avec moi. Be positive. Sois positif. Don't be negative. Ne sois pas négatif. You know what I talk about being positive. Vous savez quand je parle d'être positif. I don't refer to what people call positive thinking. Je ne me réfère pas à ce que les gens appellent la pensée positive. Because positive thinking. Parce que la pensée positive. Is when. C'est lorsque. When you think that if you think strongly about something. Lorsque vous pensez que si vous pensez fortement à quelque chose. This thing will happen. Cette chose va arriver. But this is not biblical. Mais ceci n'est pas biblique. Look, if you're sick, regardez par exemple, si vous êtes malade, it's worthless to say. Ce n'est pas la peine. To say I'm not sick. De dire je ne suis pas malade. Because this is denying reality. Parce que il s'agit là de dénier la réalité. But you know, faith says. Mais la foi dit. I'm sick. Je suis malade. But my God. Mais mon Dieu. Will heal me. Va me guérir. My God. Mon Dieu. Will restore me. Va me restaurer. When you see in the Bible. Quand vous voyez dans la Bible. No one in the Bible. Personne dans la Bible. Denied reality. N'a nié la réalité. When Job was in his problem. Lorsque Job traversait ses problèmes. He recognized that he was suffering. Il a reconnu qu'il souffrait. But what did he say? Mais qu'est-ce qu'il a dit? I know my Redeemer lives. Il dit je sais que mon Rédempteur est vivant. He was a positive man. Il était un homme positif. Please be positive. S'il te plaît, sois positif. Don't be negative. Ne sois pas négatif. What does it mean to be positive? Qu'est-ce que ça veut dire être positif? It's a mindset. C'est un état d'esprit. It's a mindset that makes you try to find the good things. C'est un état d'esprit qui vous emmène à toujours rechercher la bonne chose. The good things in every situation. Les bonnes choses dans toute situation. Every circumstances. Toutes circonstances. Instead of looking for. Au lieu de toujours chercher. The bad thing. Les mauvaises choses. You know, I call it. Vous savez, j'appelle cela. The half full. La philosophie. The half full versus half empty glass philosophy. La philosophie du verre à moitié plein et du verre à moitié vide. If you take a glass, si vous prenez un verre and you put water, et que vous y mettez de l'eau up to the middle, jusqu'au milieu, you have two groups of people. Vous aurez deux catégories de personnes. Some people will say, certaines personnes diront, I'm so happy. Je suis tellement content. Because the glass, parce que le verre is half full, est à moitié plein. Because I have water to drink, parce que j'ai au moins de l'eau à boire. Amen. Amen. And some people will say, une autre catégorie why de is the glass dira, not completely full? Pourquoi est-ce que le verre n'est pas totalement rempli? So positive people, donc les personnes positives, they tend to focus, ils essaient de se concentrer on the good things sur les bonnes choses in their lives, dans leur vie. But negative people, mais les personnes négatives, they always tend to look toujours for what is missing, à rechercher ce qui manque in your life, dans leur vie. You know something? Vous savez quelque chose? Regardless of your situation. Peu importe votre situation. Regardless of people around you. Peu importe les personnes autour de vous. You will always have good and good parts in life. Vous aurez toujours des mauvaises situations dans votre vie. Good and des bad. Des bonnes et des mauvaises situations dans Amen. Vos vies. Amen. And it's your choice. Et c'est à vous de choisir. To decide. De décider. If you want to be positive because of the good things in your life. Si vous voulez être positif à cause des bonnes choses dans votre vie. Or you want to be negative because of the small bad things that you see. Ou bien si vous voulez être négatif à cause des petites mauvaises choses qui sont là. Am I talking to someone? Est-ce que je parle à quelqu'un? You know, negative people. Vous savez les personnes négatives. They look like the story of this young boy. Elle ressemble à l'histoire de ce jeune garçon. So this young boy was crying. Donc ce petit garçon pleurait. And et an adult was passing by. Passait par là. He saw the young boy crying. Il a vu le petit garçon pleurer. And he said, "My son." Il dit mon fils. Why are you crying? Pourquoi pleures-tu? And the boy says. Et l'enfant dit. I lost my 25 CFA. J'ai perdu ma pièce de 25. The man said, "Oh, it's not a problem." Et le monsieur a dit ça c'est pas un problème. Here you go. Tiens. Take this other 25. Prends cette autre pièce de 25 francs. Thanks. So the man left.
Donc l'homme est parti. But he was surprised. Et il a été surpris. To hear the boy. D'entendre l'enfant. Crying again. Pleurer encore. So he went back to the boy. Donc il est revenu vers l'enfant. And he said, "My son, what is your problem?" Et il dit, mon fils, quel est ton problème? And the boy says. Et l'enfant dit. Uncle. Tonton. You gave me 25. Tu m'as donné 25 francs. But I lost the other 25. Mais j'ai perdu la première now, pièce de 25. If I had the two pieces of 25 francs. Oh, si j'avais les deux pièces de 25 francs. Now I would have had 50 francs on me. Actuellement, j'aurais 50 francs sur moi. What a shock. Quel choc. What a shock. Quel choc. This is the endless process. Ça, c'est un processus continuel. Sans fin. Sans it's fin. An endless process. Un processus sans fin. Because if you give him another 25. Parce que si tu lui donnes une troisième pièce de 25. He will go back to the first 25. Il va revenir à la première pièce qui est perdue. You know, we laugh. We laugh, but this is the example of negative people. C'est vrai qu'on rit, mais c'est l'exemple regardless des personnes négatives. Of the things that happen in their life, peu importe les choses qui arrivent they dans will leur vie, always focus on the thing they lost. Ces personnes vont toujours se concentrer sur les choses qu'elles ont perdues. Don't be negative. Ne sois pas négatif. Be positive. Sois positif. Are you with me? Are you with me this morning? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? The good thing about Joseph. La bonne chose à propos de Joseph. He was positive towards three areas of his life. C'est qu'il a été positif dans trois domaines de sa vie. First of all, he was positive with people. Premièrement, il a été positif envers les gens. Secondly, he was positive with regard to circumstances. Deuxièmement, il a été positif à l'égard des circonstances. And thirdly, he was positive towards God. Et troisièmement, il a été positif look vis-à-vis at what de he Dieu. Said. First sentence. Regardez ce qu'il dit, la première phrase. He talked to his brothers. Il parle à ses frères. And he said, "Don't be upset, don't be sad." Et il dit, ne soyez pas triste, ne soyez pas affligé. So positive toward people. Donc il est positif envers les gens. Second thing. Deuxième chose. He said. Il dit. Because I was sold and I was brought here. Parce que j'ai été vendu et emmené ici. So he was referring. Donc il se référait. To the situations he went through. Aux situations qu'il a traversées. Hello. And instead of being negative concerning the situations. Et au lieu d'être négatif vis-à-vis de ces situations. He was positive. Il était positif. And finally he said. Et ensuite il a dit. It was God. C'est Dieu. So he was positive toward God. Donc il a été positif. Do you want to be positive with me this morning? Est-ce que vous voulez être positif avec moi ce matin? You need to be positive with people. Vous avez besoin d'être positif envers les gens. You need to be positive with regard to circumstances. Vous avez besoin d'être positif and you need to be positive with regard to God. Et vous avez besoin d'être positif and God vis-à-vis will bless de Dieu. You. Et Dieu va vous bénir. Amen. Amen. God will bless you because Joseph was blessed. Dieu va vous bénir parce que Joseph you know, a été béni. God wants to work with positive people. Vous savez, Dieu veut travailler avec des personnes positives. This is why Joseph was put so high. Et c'est la raison pour laquelle Joseph a été aussi élevé. Because he was a positive man. Parce qu'il était un homme positif. Look at something. Regardez quelque chose. Let us suppose. Supposons that Joseph que Joseph was so negative that he tried or he killed his brothers. A été si négatif qu'il a tué ou essayé de tuer ses frères. Are you with me? Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Est-ce que vous êtes avec moi? You admitted that if Joseph was you. Donc vous avez admis tout à l'heure que si vous étiez à la place de Joseph. And you were prime minister of Egypt. Et vous étiez le premier ministre d'Égypte. And finally you found your brothers. Et enfin vous avez trouvé vos frères. But Joseph didn't do that. Mais Joseph n'a pas fait cela. And because he did not do that, et parce qu'il ne l'a pas fait, God was able to bless his brothers. Dieu a pu bénir ses frères. And the brothers became the 12 tribes of Israel. Et les frères sont devenus les 12 and tribus d'Israël. And the 12 tribes become the people of Israel. Et les 12 tribus sont devenus le peuple and d'Israël. And Jesus of Nazareth et Jésus came de from Nazareth Israel. Est sorti d'Israël. So because this man didn't try to take revenge. À cause de ce que cet homme n'a pas essayé de se venger. A generational blessing. La bénédiction générationnelle. Came into his life. Est venue à Israël. My friend, you want to take vengeance or to take revenge. Mon ami, tu veux te venger ou bien prendre ta revanche. With
One of your family members. Avec un membre de ta famille. One of your friends. Un de tes amis. Where maybe you are the channel. Alors que tu es peut-être le canal. Of his blessing. De sa bénédiction. And of your own blessing. Et de ta bénédiction personnelle. You know what Joseph did? Vous savez ce que Joseph a fait? He tried to put all his pain away. Il a essayé de mettre très loin de lui toute and sa douleur. He looked to the highest goal. Et il a regardé à l'or le plus précieux. The highest goal. Le but le plus élevé, amen. Pardon. Please, can I talk to you? Est-ce que je peux vous parler? Can I talk to you? Est-ce que je peux vous parler? You know, when you have a high goal in life. Vous savez, quand vous avez un objectif élevé dans la vie. You don't waste your time. Vous ne perdez pas votre temps. With things of the past. Avec les choses du passé. You don't waste your time. Vous ne perdez pas votre trying temps. Trying to get back, to get even with people. À essayer d'être mauvais avec les gens. You don't waste your time. Vous ne perdez pas votre temps. Why? Pourquoi? Because God has a promise for you. Parce que Dieu a une promesse pour vous. And God had a promise for Joseph. Et Dieu avait une promesse pour Joseph. And he was relying on the promises of God. Et il s'est appuyé sur les promesses de Dieu. And he didn't want anything to stop him. Et il ne voulait pas que quoi que so ce soit puisse l'arrêter. He told his brothers. Il a donc dit à ses frères. You tried to kill me. Vous avez essayé de me tuer. You sold me as slave. Vous m'avez vendu comme esclave. But it's okay. Mais bon, ça va. I'm now prime minister. Aujourd'hui, je suis premier ministre. Hallelujah. Alleluia. So in fact, donc en réalité, you sent me here. Vous m'avez envoyé ici. For you, you're trying to do me harm. Pour vous, vous étiez en train de me faire du mal. But for God, mais pour Dieu, he was blessing me. Il me bénissait. I always say, je dis toujours, your friends, vos amis, will walk with you. Vont marcher avec vous. But your enemies, mais vos ennemis, they will propulse you. Vont vous propulser. In your destiny. Dans votre destinée. So you have to believe that even if people are not as good as you want. Donc vous devez croire que même si les gens ne sont pas aussi bien que vous le voulez. There's some good things in them. Il y a quelque chose de bon en eux. So please be positive towards men. Donc s'il vous plaît, soyez positif envers les hommes. I want to take three examples. Je veux prendre trois exemples. Are you with me this morning? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. I want to take three examples. Je veux prendre trois exemples. Of people. De personnes. Who were not positive, they were negative with men. Qui n'ont pas été positifs, qui ont été négatives avec les personnes, and les because gens. Of that. Et à cause de cela. They did not reach. Ces personnes n'ont pas pu atteindre le niveau de leur destinée. You know, one thing une chose about negativity. À propos de la négativité. If you try to see the bad things that people did to you, si vous essayez de toujours voir les mauvaises choses que les gens ont faites contre vous, you will develop vous allez développer unforgiveness. Le manque de pardon. Amen. Amen. Because you cannot forgive to someone. Parce que vous ne pouvez pas pardonner à quelqu'un. When all the day, all the night, just thinking about, oh, this is what he did to me. This is what he did to me. How can you forgive? Quand tous les jours, toutes les nuits, vous répétez ce que la personne vous a fait. Est-ce que vous pouvez lui pardonner? But unforgiveness. Mais le manque de pardon. This is what prevented Absalom. C'est ce qui a empêché Absalom. To be blessed. D'être béni. You know Absalom. Vous savez Absalom. Had a sister. Avait une sœur. And the sister. Et cette sœur. Was raped. A été violée. By one of his brothers. Par l'un de ses frères. The name of the man was Amnon. Et le nom de ce dernier était Amnon. Absalom was touched. Absalom a été touché. He killed Amnon. Il a tué Amnon. But he was not satisfied. Mais il n'était pas satisfait. Because the father David. Parce que le père David didn't do anything about the situation. N'a rien fait par rapport à la situation. All his life, toute sa vie, he tried to kill his own father. Il a essayé de tuer son propre père. Finalement, he was the one. Il a été celui who was killed. Qui a été tué. And he died. Et il est mort. On the tree. Sur un arbre pendu. Don't die on the tree. Ne meurs pas sur un arbre. Don't die on the tree. Ne meurs pas sur un arbre. I said, don't die on the tree. Je dis ne meurs pas sur un arbre. Forgive to people. Pardonne aux personnes. Forgive to people. Pardonne aux gens. You know, in life. Vous savez dans la vie.
You can help people all you want. Vous pouvez aider les gens de but people les manières have a tendency mais les gens ont cette tendance to remember à se souvenir only uniquement the one thing de la seule chose but you didn't do the right que vous way. N'avez pas fait de la bonne manière. This is human nature. Ça, c'est la nature humaine. But this is not good. Mais ce n'est pas une bonne chose. Because if you're negative toward people, parce que si vous êtes négatif envers les you gens, will destroy your marriage. Vous allez détruire votre mariage. You will destroy your family. Vous allez détruire votre you famille. Will destroy your church. Vous allez détruire votre you will église. Destroy your relationship. Vous allez détruire vos relations. Why? Pourquoi? Because if you look for problems and what people are not instead of looking for what people are. Parce que si vous cherchez toujours la petite bête, ce que les gens ne sont pas, au lieu de chercher ce que ces personnes sont, you will always find something. Vous allez toujours trouver quelque chose. And your husband is not a good man. Mon mari n'est pas une bonne personne. And your wife is not a good lady. Ta femme n'est pas une bonne femme. And so on and so forth. Et ainsi de suite. But if you learn to say good things about people, mais si vous apprenez à dire des bonnes choses sur les God, gens, God will bless you. Dieu va vous bénir. Am I talking to someone? Est-ce que je parle à quelqu'un? There's this man of God. Il y a cet homme de Dieu. Bishop T.D. Jakes. Bishop T.D. Jakes. Bishop T.D. Jakes had a situation with someone. Bishop T.D. Jakes a eu une situation avec quelqu'un. And one day he sat down. Et un jour il s'est assis. And he said, "Well, I think I'm jealous of this person." Et il a dit, je pense que je suis jaloux de cette personne. He was very honest with him. Il a été très honnête envers lui-même. Because you know, sometimes our way of behaving with people, parce que quelquefois notre manière de nous comporter avec les gens, is just an indication, c'est juste une indication, of our own insecurity, de notre propre insécurité. People don't say amen. Les gens n'ont pas dit amen. They don't say amen, pastor. Ils n'ont pas dit amen. Anyway. Peu importe. Anyway, peu importe, he took a decision. Il a pris une décision. He said, from now on, il dit, à partir de maintenant, I will say only good things about je this ne man. Vais dire que de bonnes choses à propos de Hallelujah. Cette personne. Amen. See, if someone is, you don't like someone, say good things donc, about him. Donc, s'il vous plaît, si vous n'aimez pas quelqu'un, dites des bonnes choses sur cette personne. Absalom. Absalom. Was killed before because of unforgiveness. Il a été tué à cause du manque de pardon. But you know, mais vous savez, Saul had another problem. Avait un autre problème. It's called suspicion. Et ce problème c'était la suspicion. Because when you look into people's life, parce que quand tu fouilles la vie des gens, you will find things. Tu vas toujours trouver des choses. Hello, hello. So this young man David, donc ce jeune homme David, he didn't want to do any harm to Saul. Il n'avait aucune intention de faire du mal à Saül. But Saul was convinced. Mais Saül était convaincu. That this young man had a problem with him. Ce jeune homme and had a problem with him. Avait un problème avec lui. And instead of being a king, et au lieu d'être un roi, he spent all his time. Il a passé tout son temps chasing David around. À poursuivre David partout. Did you read the Bible? Est-ce que vous avez lu votre Bible? He had a kingdom to manage. Il avait un royaume à diriger. Instead of managing his kingdom, au lieu de gouverner son royaume, he was going from town to town. Il partait de ville en ville. Trying to kill. Essayait de tuer. Someone. Quelqu'un. Who didn't have any problem with him. Qui n'avait aucun problème avec lui. Hello. When you're suspicious, quand vous êtes suspicieux, you try to find problems with people. Vous essayez de toujours trouver des but problèmes in fact, avec they les don't gens. Care. Mais en réalité, les gens là, ils s'en foutent. You try to find problems with the way they talk. Vous essayez de trouver des problèmes avec la manière problem dont with ils parlent. The way they speak. Leur manière de parler. The way they behave. Leur manière de se comporter. Please, don't be negative. S'il vous plaît, ne soyez pas négatif. Be positive. Soyez positif. And God will bless you. Et Dieu va vous bénir. So Joseph was positive. Donc Joseph était positif. With people. Avec les personnes. But he was also positive. Mais il était aussi positif. With his circumstances. Dans ses circonstances. Because he said. Parce qu'il a dit. You know, I was sold. Il dit, j'ai été vendu. As slave here. Comme un esclave. But he didn't. He was not saying it. Mais il ne le disait pas. With bitterness. Avec amertume. You know what?
Vous savez quoi? Are you with me? Est-ce que vous êtes avec moi? Joseph understood something. Joseph a compris quelque chose. Circumstances. Les circonstances. Are God's school. Sont l'école de Dieu. God's school is not a university. L'école de Dieu n'est pas une université. God's school is not a college. L'école de Dieu n'est pas une grande école. You will not get out of this school with a degree. Vous ne sortez pas de cette école avec des diplômes. Which says bachelor. Qu'on peut appeler licence. Master. Ou bien master. Or doctorate. Ou bien doctorat. But you will come out of this school. Mais vous allez sortir de cette école. With a capacity. Avec une capacité. To manage situation. À gérer les situations. With a capacity. Avec une capacité. To be able. À être capable. To accomplish God's purpose for your life. D'accomplir la volonté de Dieu dans votre vie. Because let's look at it. Parce que regardez. Joseph was sold. Joseph a été vendu. To be slave. Pour être esclave. In the house of Potiphar. Dans la maison de Potiphar. This is there in the house of Potiphar. Et c'est là dans la maison de Potiphar. But Joseph learned. Que Joseph a appris. How to manage a house. Comment gérer une maison. And then Joseph was sold, was brought. Ensuite Joseph a été emmené. To prison. En prison. And in prison. Et en prison. He became what? Il est devenu quoi? The manager. Le gestionnaire ou of le chef. A group of prisoners. De tout l'ensemble des prisonniers. It means. Ça signifie that Joseph learned. Que Joseph a appris. To manage people. À gérer les gens. In prison. En prison. So the very day. Donc le jour même. He was brought before Pharaoh. Où il a été emmené devant Pharaon. To be prime minister. Pour être le premier ministre. He was ready. Il était prêt. Hallelujah. Hallelujah. He had all the degrees in the world. Il avait tous les diplômes du monde. Not from the university. Non pas d'une université. But from circumstances. Mais des circonstances. God is training you. Dieu est en train de te former. Through circumstances. À travers les circonstances. You know, in Romans chapter 8. Vous savez, en Romains 8. The Bible says. La Bible dit. That all things. Que toutes choses. Please say with me, all things. S'il vous plaît, dites avec moi, toutes choses. Works for the all things. I'm sorry, work for the good. Toutes choses concourent. Of those. Au bien de ceux. Who are called by God. Qui sont appelés par Dieu. The Bible doesn't say some things. Le passage ne dit pas quelque chose. But all things. Mais toutes choses. The good. Les bonnes. The bad. Les mauvaises. And the ugly. Et même les vilaines. So Joseph understood that. Donc Joseph a compris cela. So he said, "No, you guys are not my problem." Il a donc dit, vous n'êtes pas mon problème. You did all this, but I was in God's school. Vous m'avez fait tout ça, mais en réalité, j'étais à l'école de Dieu. Because I had a promise on my life. Parce que j'ai une promesse sur ma vie. Praise the Lord. Gloire à Dieu. If you have a promise on your life. Si tu as une promesse sur ta vie. Please consider every circumstance. S'il te plaît, considère toute circonstance. As a training field. Comme un terrain d'apprentissage. Are you with me? Est-ce que vous êtes avec moi? Tell your neighbor. Dis à ton voisin. Neighbor. Voisin. Be positive. Sois positif. Don't be negative. Ne sois pas négatif. And God will bless you. Et Dieu va te bénir. Finally. Enfin. Joseph. Joseph. Was positive. Était positif. Towards God. Envers Dieu. What is that? It's a car. I'm sorry, I'm going to wait for 1 second. No, it's okay. It stopped. Stop. Are you with me? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. God is blessed. Dieu est béni. Hallelujah. Amen. So Joseph was positive with God. Donc Joseph était positif vis-à-vis de Dieu. Positive towards God. Positif vis-à-vis de Dieu. Because let's face it. Parce que mettons-nous face à cela. Look at something. Regardez quelque chose. He was a young man. Il était un jeune homme. God made him a promise. Dieu lui a fait une promesse. That he will get to a high level. Qu'il allait être à une position élevée. And instead of being to in a high level. Et au lieu d'être à ce niveau élevé. He became slave. Il est devenu esclave. He became prisoner. Il est devenu prisonnier. He became abandoned. Il a été abandonné. He had all the reasons in the world. Il avait toutes les raisons du monde. To say God.
De dire, Dieu, what are you doing to me? Qu'est-ce que tu es en train de me faire? God, why did you do that? Dieu, pourquoi est-ce que tu fais cela? But instead, mais au lieu de cela, he said, it was God. Il dit, c'était Dieu. It was God. C'est Dieu. Praise the Lord. Gloire à Dieu. You know something? Vous savez quoi? Job suffered a lot of things. A beaucoup souffert, il a traversé beaucoup de choses. But the Bible says, mais la Bible dit, that in all this, que dans toutes ces choses, Job n'a jamais complained against God. Ne s'est jamais plaint de Dieu. Look at me. Regardez-moi. What are you going through? Qu'est-ce que vous êtes en train de traverser? So that all day, all night, you're complaining against pour God. Que tous les jours, toutes les nuits, vous soyez en train de vous plaindre de Can Dieu. Can you compare your suffering to Job's? Est-ce que vous pouvez comparer votre souffrance à celle de Job? But in all this, mais dans toutes ces choses, lost his properties. Il a perdu ses biens. Lost his children. Il a perdu ses enfants. Lost his health. Il a perdu sa santé. In all this, dans toutes ces choses. Just Job only said. Job a juste dit. When his wife came. Quand sa femme est venue vers lui. Job. Elle dit Job. Please. S'il te plaît. Say something bad against God. Dis quelque chose de mal à propos de Dieu. And die. Et tu meurs. I don't see the die aspect of it. Je ne considère pas le. No, I don't see. I don't understand. Je ne comprends pas. I don't understand the die aspect of it. Je ne comprends pas l'aspect de mort dans ça. She said. Elle dit. Curse God. Maudit Dieu. And die. Et meurs. Why die? Pourquoi mourir? So I can remarry. Afin que je me remarie. What a shock. Quel choc. Ou bien. Because you're there, you're sick. Parce que tu es là, tu es malade. I have to take off you. Je dois m'occuper de toi. Please curse God. S'il te plaît, maudit Dieu. And die. Et meurs. I get another husband. J'ai avoué un autre mari. Life will go on. La vie va avancer. But what did Job say? Mais qu'est-ce que Job a dit? The good things come from God. Il dit nous recevons les bonnes choses de Dieu. Don't you think? Est-ce que tu ne penses pas? We can also receive. Qu'on peut recevoir aussi. Some bad things from God. Quelques mauvaises choses. Never curse God. Il n'a jamais maudit Dieu. He said, "My Redeemer lives." Il dit mon rédempteur vit. He said, "My Redeemer lives." Il dit mon rédempteur vit. And I know that at the end of the day, et je sais qu'à la fin, he will be triumphant. Il sera triomphateur. He will be triumphant. Il sera I triomphateur. I said, "He will be triumphant." Je dis, il sera triomphateur. Don't be like the people of Israel. Ne soyez pas comme le peuple d'Israël. They were professional. Ils étaient des professionnels dans les plaintes. God took them from Egypt. Dieu les a pris de l'Égypte. When they were facing, quand ils étaient face, facing the Red Sea, à la mer Rouge, they complained. Ils se sont plaints. They were in the desert. Ils étaient dans le désert. God brought food from heaven. Dieu leur a apporté Please la nourriture say with me, food du from ciel. Heaven. S'il vous plaît, dites avec moi la nourriture du ciel. Huh? Food from heaven. La nourriture du ciel. And you know how they call this food? Et vous savez comment ils ont appelé cette nourriture? Manna. Manna, la manne. Man means in Hebrew. La manne signifie en hébreu. What is this? C'est quoi ça? Food from heaven. La nourriture qui vient du ciel. What is this? C'est quoi ça? They went on. Ils ont avancé. When they were thirsty. Quand ils avaient soif. God brought water. Dieu a fait sortir l'eau from a stone. D'un rocher. But mais they complained. Ils ont murmuré. God sent spies in the land. Dieu a envoyé des espions. They came sur back. La terre. Ils sont revenus. And they said, et ils ont dit, oh, the place is good. Oh, là, le pays est bon. But mais we saw giants. On a vu des géants. And they complained. Et ils se sont plaints. And the Bible said. Et la Bible dit. They wanted to kill. Ils ont voulu même tuer. Poor Moses. Le pauvre Moïse. So finally. Enfin. God was upset. Dieu était fatigué. And he said, "You." Et il leur a dit, vous. None of you. Aucun d'entre vous. Will enter the promised land. Ne va entrer dans la terre I promise. Will make sure. Je vais m'assurer. That you all die. Que vous tous mouriez. Before we get to the land. Avant qu'on atteigne la terre promise. Honestly. Honnêtement.
I can have problem with the devil. Je peux avoir des problèmes avec le diable. I can have problem with Satan. Je peux avoir des problèmes avec Satan. But if I have problem with God, mais si j'ai des problèmes avec Dieu, who's gonna solve it? Qui va pouvoir les résoudre? God said. Dieu dit. The portion of scripture is even stronger. God said, I will do my best. Dieu dit, je vais faire de mon mieux. So that none of you, afin que aucun d'entre vous, will enter the land. N'entre dans ce pays. So I will kill one with animal. Donc je vais tuer un avec les animaux. I will kill the other one with disease. Et d'autres vont mourir par la maladie. No matter the way I choose, peu importe le moyen que je choisis, you will not enter. Vous n'allez pas entrer. Please don't be like this man. S'il vous plaît, ne soyez pas comme ces personnes. Please praise God in every circumstance. S'il vous plaît, louez Dieu en toutes circonstances. Please praise God in every louez circumstance. Louez Dieu en toutes circonstances. Because if you do so, parce que si vous le faites, you will bring the blessings of God over your life. Vous allez apporter les bénédictions de Dieu sur votre the vie. The Bible says, la Bible dit, count. Comptez. Count the blessings of God. Compte les bienfaits de Dieu. The Bible doesn't say, la Bible ne dit pas, count the problems in your life. Compte les problèmes dans ta vie. But it says, mais la Bible dit, count the compte blessings of God. Les bienfaits de Dieu. Are you with me this morning? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Do you want to be positive? Est-ce que vous voulez être positif? And stop being negative. Et arrêtez d'être négatif. Could you please stand up so est-ce que vous pouvez vous tenir debout s'il vous plaît? Could we please stand up so est-ce que vous pouvez vous tenir debout s'il vous plaît? Que je prie. Before I pray, avant que je ne prie, I want to share three secrets. Je veux partager trois secrets with you. Avec vous. Are you with me? Est-ce que vous êtes avec moi? Secret number one. Secret numéro un. Be positive. Soyez positif. With people. Avec les gens. What is the secret? Quel est le secret? Learn to see. Apprenez à voir. Learn to say. Apprenez à dire. Good things. Des bonnes choses. About people. À propos des gens. Even if you don't feel like it. Même si vous ne le sentez pas. Amen. Amen. Instead of saying he's a bad man. Au lieu de dire celui-là c'est un mauvais type. My husband is this. Mon mari est ceci. And he's that. Et il est cela. Learn to say good things about the man. Apprends à dire des bonnes choses. Hallelujah. À propos de cette personne. You know, there's something weird in our way of thinking. There's something weird. Peculiar, bizarre, étrange. Donc il y a quelque chose d'étrange. So there's something weird. Il y a quelque chose d'étrange. About our ways of thinking. Concernant notre manière de penser. Because we pray. Parce que nous prions. For a job. Pour un travail. And we spend our time. Et nous passons notre temps. Complaining about the job. À nous plaindre de ce travail. We prayed for. Pour lequel nous avons prié. We complain about the boss, on the coworker, patron, and this, and that. De ceci, de cela. But this is the job you prayed for. Mais c'est le travail pour lequel tu as prié. Hello. Hello. You prayed, I want to be married. Lord, tu give me prié, husband. Je veux me marier. Seigneur, donne-moi un mari. God chose his best. Dieu a choisi le meilleur. His best, son meilleur. Son meilleur. Il a choisi son meilleur. According to him, he was the best. Selon lui, c'est son meilleur. He brought it to you. Et il te l'a apporté. And he said, what? Et tu dis, wow! I don't know he was like that. Je ne savais pas qu'il était comme ça. Je ne savais pas qu'il était comme si. You prayed for marriage. Tu as prié pour le mariage. God sent you a woman. Dieu t'a envoyé une femme. But you spend your time. Mais tu passes ton temps. Complaining. À te plaindre. She's not like that. Elle n'est pas comme ceci. And she's not like this. Elle n'est pas comme cela. And she doesn't cook like my mom. Elle n'est pas comme ma mère. She doesn't cook like my mom. Elle ne prépare pas comme ma mère. So go to your mom. Donc va chez ta maman. What a shock. Quel choc. We pray. We say, God, give me a church. Tu as prié, Seigneur, donne-moi une église. And God brings you to one church. Et Dieu t'envoie okay, dans une there's église. A problem. This can happen. Il y a un problème. This ça can peut happen. Arriver. And then you go to a second church. Tu vas dans une autre église. Okay. Then you go to a third church. Okay. Après tu vas dans une troisième église. And then a fourth church. Dans une quatrième église. You seem never to be satisfied. Et c'est comme si tu n'es pastor, jamais satisfait with du pasteur, leaders, du responsable. Et
So maybe who is the problem? Donc qui est le problème? See what I'm trying to say. Donc ce que j'essaie de dire. Being negative toward people. Négatif vis-à-vis des gens. You will never get along with people. Vous n'allez jamais être en compagnie des gens. Never. Jamais. You will always find a way to be out of relationship. Vous allez toujours trouver le moyen de vous so séparer de vos relations. So please say with me, I will say good things about people. Donc dites avec moi, je vais dire des bonnes choses des gens. This is secret number one. Ça c'est le secret numéro un. Secret number two. Secret numéro deux. Consider every circumstance, every problem. Considère toute circonstance, tout problème. As God's class. Comme l'école de Dieu. Amen. Amen. It's God's school. C'est l'école de Dieu. I don't have the time to expand on that. Je n'ai pas beaucoup de temps but pour you know, approfondir in, cela. Any, in every school there's an exam. Mais vous savez que dans toute école il y a des examens. Some people they think they will not succeed in the exam. Donc il y a des gens qui pensent qu'ils vont pas réussir à l'examen. And then we will move up. Et puis ils vont aller en classe to supérieure. To the next level. En classe supérieure. But God say yeah yeah. Mais le Seigneur dit il y a examen ici. And until you succeed. Jusqu'à ce que tu réussisses. You stay in the same class. Tu seras dans la même classe. Can take 1 year. Sorry? It can take 1 year. Ça peut te prendre un an. 5 years. 5 ans. 10 years. 10 ans. God is not in a hurry. Dieu n'est pas pressé. He has eternity for him. Il a toute l'éternité pour lui. Secret number two. Secret numéro deux. Secret number three to close. Et le secret numéro trois pour terminer. Praise God. Loue Dieu. Praise God. Loue Dieu. Praise God. Loue Dieu. And again, praise God. Et encore, loue Dieu. If you develop this free attitude. Si nous développons ces trois attitudes. This free mindset. Ces trois états d'esprit. We will become positive people. Nous allons devenir des personnes positives. You know, as we were preparing the message. Vous savez, pendant qu'on préparait ce message. One of the pastors asked me. Un des pasteurs m'a demandé. How do I do to become positive? Comment je peux faire pour devenir positif? And this is where I came with his three secrets. Et c'est à partir de là que j'ai tiré ces trois secrets. Good things. Bonnes choses. Lessons. Leçons. And praise. Et louange. And God will bless you. Et Dieu va vous bénir. Can you please raise your hand and we Est-ce pray? Que vous pouvez s'il vous plaît lever les mains? Father in heaven. Père dans les cieux. I give you honor. Je te donne l'honneur. And I give you praise. Et je te donne la louange. And I ask that you bless. Et je demande que tu bénisses. Each one of us. Chacun d'entre nous. Please help us. S'il te plaît, aide-nous. Become positive. À devenir positif. We want to say. Nous voulons dire. Help us. Aide-nous. To forgive. À pardonner. Help us. Aide-nous. To see the good aspects. À voir les bons aspects. In people's life. Dans la vie des gens. In circumstances. Dans les circonstances. In what you do for us. Et dans ce que tu fais pour nous. Please, Lord. S'il te plaît, Seigneur. Forgive us. Pardonne-nous. Forgive us. Pardonne-nous. For our bad reactions. Pour nos mauvaises réactions. Forgive us. Pardonne-nous. For the bad thing we said. Pour les mauvaises choses que And nous avons dites. And from now on. Et à partir de maintenant. Teach us. Enseigne-nous to be positive. À être positif. Bless us. Bénis-nous. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. God bless you. Que Dieu vous bénisse.